Dans cette vidéo, je vais te montrer comment flouter son visage sur Filmora, donc c'est parti. Alors pour ce faire, tu vas te rendre dans la catégorie effets, effets vidéo, utile. Et là, tu auras une toute catégorie de flou, de tout ce que tu veux. Ce qui nous intéresse, c'est le remplacement de visage. Il est juste là. Une fois qu'on l'a étendu sur toute la vidéo, c'est fait en clairement 2 secondes. Et c'est bien pour les vidéos, si vous voulez flouter quelqu'un, et bah c'est vraiment pas mal. Si vous n'aimez pas la mosaïque, vous cliquez 2 fois sur l'effet. Et là, vous avez une multitude de d'autres choses, quoi. Et ce que je trouve bien avec Filmora, on a un petit outil juste là qui permet de faire des formes. Donc, par exemple, un rond. Voilà, comme ça. Hop, c'est vraiment pratique pour la tête. Vous faites OK et voilà. Il n'y a vraiment rien à toucher, pas de suivi de mouvement, c'est tout fait automatique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez une multitude de tutos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!